Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la fiche de jeu Badaboom. Avec cette fiche de jeu, nous allons travailler les déplacements et la stratégie. Cette fiche de jeu s'adresse à toutes les catégories de joueurs de Boccia et à tous les niveaux. Nous allons jouer aujourd'hui avec deux joueurs, mais cette fiche de jeu peut se faire aussi en équipe, 2 contre 2 ou 3 contre 3. Chaque joueur aura 6 balles et vous avez besoin de 12 quilles et de rubans de marquage. Avant le début de la partie, nous avons placé 12 repères de rubans sur le terrain. Ces repères nous permettront de replacer les quilles exactement au même endroit, manche après manche. Ensuite, nous avons installé les quilles sur chaque repère. Les quilles au pointage le moins élevé à l'avant, alors que les quilles au pointage les plus élevées à l'arrière. Ensuite, demandez à chaque joueur d'essayer de faire tomber ses quilles en alternance une balle l'un après l'autre. Si un joueur arrive à faire tomber une quille, alors il remporte le nombre de points inscrits sur celle-ci. Les quilles sont placées, les joueurs sont prêts, nous pouvons commencer. Marilou, c'est à toi. Sandrine, à toi. Marilou. Toutes les balles ont été lancées. Maintenant, nous allons comptabiliser le nombre de points par joueur. Sandrine a fait tomber 2 quilles, le 2 et le 4. Alors, elle marque 6 points pour cette manche. Marilou a fait tomber 5 quilles, le 1, le 3, le 6, le 10 et le 7. Et là, ça va prendre du calcul mental pour savoir combien elle a marqué de points. 1 et 6, 7 points, et 10, 17, et 7, 24, et 3, 27 points. Vous venez de voir comment se déroule une manche du jeu Badaboom. Vous pouvez réaliser ce jeu en une manche, deux manches, trois manches, quatre manches, ou même à l'infini. Une autre variante consiste à faire cet exercice en double ou en équipe pour améliorer la communication. Enfin, pour plus de fun et plus de suspense, vous pouvez tourner les quilles afin que les joueurs ne puissent pas voir le nombre de points sur celle-ci. Bonne pratique !